Eh bien, bonjour et bienvenue à cette première web conférence pour laquelle nous sommes partenaires de Vivre avec une NMP, dont nous voyons la présidente et qui interviendra Karine Tourmente-Leroux. Bienvenue à toutes et tous. Aujourd'hui, on est plus de 200 inscrits, donc un beau succès. Donc, les NMP, c'est des néoplasies myéloprolifératives, maladies rares, mais qui, je l'espère, ce soir seront moins mystérieuse après 7 heures passées ensemble, grâce aux explications notamment de nos experts qui nous ont fait l'honneur d'être parmi nous. Donc, professeur Kilakjian, vous êtes hématologue à Saint-Louis, à Paris, président du groupe national FIM, qui est France Intergroupe des Néoplasies Myéloprolifératives. Le professeur Valérie Hugo, qui est hématologue biologiste au CHU d'Angers, et vous êtes impliqué, vous, dans le diagnostic et la recherche des NMP. Et enfin, le professeur Yanoto, donc là, on part encore plus à l'ouest de la France, qui est donc à Brest, qui est chef de service en hématologie clinique et qui est bien sûr membre du FIM. Merci infiniment d'avoir accepté cette invitation et d'être parmi nous ce soir. Donc, je vais laisser la place à Karine Tourmente-Leroux, qui est présidente de Vivre avec une NMP, qui va nous expliquer son parcours en tant que patiente, mais également ce projet de lancer Septembre Rouge en France et comment elle a concrétisé. Et cette webconférence fait partie justement de ce programme d'information et de sensibilisation du grand public. Mais avant tout, merci aux trois professeurs d'être là. Merci à Dis-moi Santé d'être partenaire de cette nouvelle aventure. Merci à tous ceux qui sont là derrière leurs écrans de nous accompagner dans ce délire que j'ai eu un soir où j'avais trop mal aux pieds. Parce que moi, ma TE me donne mal aux pieds. Et donc, je dormais pas. Et je me suis dit, on entend parler d'octobre rouge, d'octobre rose. On entend parler, je crois, de nouveau novembre bleu, de septembre turquoise, de septembre en or, parce que ça, c'est quand même capital. Ce mois de septembre est rouge et or pour les enfants atteints de cancer. Mais pourquoi pas y ajouter septembre rouge. Cette aventure des NMP, elle remonte pour moi à fin septembre 2019, quand mon gentil généraliste a trouvé que mes analyses étaient un peu bizarres. Donc, un peu trop de plaquettes. Il m'a dit tout de suite, va voir un hémato ou un hémato. J'y suis allée. J'ai vu, et puis une semaine, le diagnostic a été vite posé, très très vite posé. Et au bout d'une semaine de médicaments anti, je sais pas quoi, agrégants, plaquettaires, ou je sais pas comment on appelle ça, parce que je veux pas donner le nom du médicament, d'espèce d'aspirine que j'avale tous les matins, eh bien, je suis passée à ce qu'on appelle la chimio orale, les jolies petites gélules sexy et glamour qui sont roses et vertes, mais qui, à mon goût, ont mis ma vie au ralenti. Voilà. Et puis, forte de ça, j'ai commencé par rédiger un blog sur cette nouvelle aventure parce que j'ai un passé de journaliste. Et puis, de ce blog, j'ai sorti un livre. Et quand ce livre est sorti, j'ai reçu plein de mails de gens qui m'ont dit « Waouh, c'est cool, tu parles pour nous ». Et je me suis dit, mais on est tout, et chacun est tout seul dans son coin avec sa néoplasie myéloproliférative. Et donc, du coup, forte de ça, je me suis dit, mais au lieu de laisser tous tout seul, on va être tous ensemble. Et donc, on a créé Vivre avec une NMP avec Sylvie et Virginie au départ. Et puis, l'aventure a pris. Et puis, tout le monde s'est embarqué dans mon délire de Septembre Rouge. Et j'avoue être hyper méga surprise du résultat. Ça me dépasse un petit peu, je l'avoue. Et cette web conférence, je pense qu'elle va nous en apprendre à tous beaucoup, beaucoup, beaucoup sur nos pathologies. Je l'espère nous rassurer énormément parce qu'on a toujours des questions, des craintes qu'on n'ose pas obligatoirement formuler. Et puis, c'est à vous parce que moi, voilà, c'est fini. Merci beaucoup Karine. Donc on va laisser la parole justement pour mieux comprendre à un duo
le professeur Kiladjian et le professeur Hugo qui vont nous parler un peu du parcours patient et nous expliquer toute cette pathologie qu'est la NMP et les syndromes myéloprolifératifs. C'est à vous. Merci beaucoup. D'abord, merci beaucoup aux invitants, à l'association qui s'est montée, donc à Karine, et puis à tous les organisateurs de nous permettre de vous parler. On espère qu'on va répondre à certaines de vos attentes, et puis sinon, il y aura des questions pour ça. Donc, je vais vous parler plus spécifiquement de la partie biologique de ces maladies, incluant à la fois ce qu'on sait aujourd'hui des néoplasies néoprolifératives et tant pour ce qu'on appelle la recherche ou les causes et puis le diagnostic biologique et puis le professeur Kiladjian prendra la suite. Alors un rappel très simple qui est finalement comment est-ce qu'on fabrique les cellules du sang. Les cellules du sang les plus connues, les plus courantes, on ne va pas rentrer dans les détails, s'il y a des détails on les verra aux questions, mais finalement, il y a trois grandes catégories de cellules du sang. Il y a les globules rouges, il y a les plaquettes et il y a les globules blancs. Les globules rouges, pour aller vite, sont des cellules qui servent uniquement à transporter de l'oxygène et tous les échanges gazeux. Les plaquettes, ça sert à coaguler. Et puis les globules blancs, ça sert d'une manière générale à se défendre contre les infections diverses et variées de façon normale. Et alors la particularité, on dit toujours les maladies du sang, mais en fait, les cellules du sang sont fabriquées dans un organe qu'on ne connaît pas bien, parce que c'est un organe qui est un peu partout dans le corps, plus exactement dans les os, et c'est ce qu'on appelle la moelle osseuse. Et donc, la moelle osseuse, ce n'est pas la moelle épinière, hein, le premier point très important, ça n'a rien à voir avec la moelle épinière, c'est la moelle osseuse, c'est celle de l'os à moelle, hein, voilà, dans la casserole, et c'est dans tous nos os, il y a ce qu'on appelle un milieu de l'os qui est mou, et qui est une usine à globules et qui permet de fabriquer. Voilà. Donc c'est un organe, mais qui est un peu partout dans tous nos os. Et alors, ce qui se passe quand on a une néoplasie myéloproliférative, que ce soit ici une thrombocytémie essentielle qui est représentée, c'est qu'en fait, au niveau de la moelle osseuse, on a une augmentation de la prolifération du nombre de cellules qui vont être ce qu'on appelle les cellules souches et les cellules précurseurs de la fabrication des plaquettes, donc là qui sont représentées, alors je sais que vous ne voyez pas mon petit pointeur, mais qui sont représentées, là sont des grosses cellules là, que j'ai représentées sur ce dessin et qui du coup font qu'on a plus de plaquettes que la normale. Quand on a une polyglobulite vaquaise, ce qui est principalement concerné, c'est l'augmentation, c'est la lignée des globules rouges. Et donc là, dans la moelle osseuse, pareil, on a une augmentation des cellules souches et des cellules précurseurs, des bébés cellules globules rouges qui prolifèrent trop dans la moelle osseuse et qui se retrouvent dans le sang, et c'est dans le sang qu'on les voit. Et puis, il y a une maladie un petit peu frontière sur laquelle on reviendra sans doute, qu'on appelle la myélofibrose. La myélofibrose, c'est un petit mélange des deux. On va avoir à la fois une augmentation des cellules, notamment qui fabriquent les plaquettes, mais surtout, on va avoir un os. Je vous ai dit que l'os à moelle, la partie moelle de l'os, c'est quelque chose de mou. Et en fait, dans la myélofibrose, l'os va se durcir, va se combler un petit peu. Et donc, cette fabrication des globules, qu'on appelle l'hématopoïèse, va avoir du mal à se faire. Et cette myélofibrose peut être dans les maladies dont on parle aujourd'hui, cette myélofibrose peut être ce qu'on appelle primitive, c'est-à-dire d'emblée présente au diagnostic de la maladie chez quelqu'un, où elle peut être secondaire et survenir après généralement de très nombreuses années d'évolution. Pas chez tout le monde, mais elle peut survenir. Alors, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qu'on sait ? Alors, il y a quelque chose de très important qu'il faut que vous entendiez, c'est que ce qu'on va vous dire aujourd'hui, c'est ce qu'on sait aujourd'hui en 2022. Hein. Peut-être que tout ce que... Enfin, pas tout, mais il y a des choses qui seront peut-être nouvelles en 2023, on l'espère d'ailleurs, en 23, en 24, etc. Donc, il faut bien savoir qu'on vous donne l'état des connaissances de ce qu'on sait. Alors, en fait, pour fabriquer des cellules, ce qu'on a ici sur ce schéma, là, la grosse patate un peu grise, c'est une cellule. Et puis, ce qui est représenté en vert un petit peu à l'intérieur, c'est le noyau de cette cellule. Et puis, les petits schémas qui sont représentés sur la paroi de la cellule, là, en vert, ce sont ce qu'on appelle des récepteurs. Ce sont des récepteurs qui sont chargés de recevoir des signaux qui, dans des conditions normales, disent à la cellule, bah, vas-y, tu peux proliférer, ou au contraire, s'il n'y a pas de signal, tu ne dois pas proliférer.
Et en fait, ce qu'on a découvert depuis maintenant une bonne quinzaine d'années dans ces maladies, c'est que ces récepteurs ou certaines protéines qui sont reliées à ces récepteurs, comme la protéine JAK2, qui est la plus connue, sont porteurs d'une mutation uniquement dans les cellules du sang, hein, c'est uniquement les cellules à moelle osseuse et du sang, c'est pas une mutation héréditaire, on y reviendra aussi, mais cette mutation fait que ce récepteur, c'est comme un accélérateur en fait, un récepteur, c'est-à-dire que c'est comme l'accélérateur d'une voiture, quand vous appuyez pas sur l'accélérateur, il se passe rien, la voiture avance pas, et pour que ça avance et que les cellules soient fabriquées, il faut appuyer sur l'accélérateur. Et en fait, quand une protéine qui est associée à un de ces récepteurs est mutée, que ce soit donc JAK2 ou les autres sur lesquels je vais revenir, c'est un petit peu comme si l'accélérateur était bloqué alors qu'on n'appuie pas dessus. Alors, il n'est pas bloqué très fort, hein, ça, c'est pas, on ne va pas foncer dans un mur, mais la voiture avance alors qu'elle ne devrait pas. Et alors, en fait, on a découvert au fil des années plusieurs mutations qui ont grosso modo le même effet sur les cellules. Vraiment, la première qui a été découverte et la plus connue, c'est ce qu'on appelle cette mutation JAK2V617F, qui est présente dans l'immense majorité des maladies de Vaquez, dans à peu près la moitié des thrombocytémies essentielles et à peu près la moitié des myélofibroses. Et puis, l'autre mutation assez fréquente sont les mutations du gène qu'on appelle CALR-réticuline, ou CALR en abrégé, et qui est retrouvée uniquement dans les thrombocytémies essentielles et les myélofibroses. On va revenir sur les chiffres, en gros 30% des cas. Et puis ça, c'est une diapositive où j'essaie de vous expliquer pourquoi ce que je vous dis aujourd'hui, ben, ce sera toujours vrai demain, mais ce sera sûrement complété de plein de choses après-demain. La découverte de la mutation de JAK2 date de 2005, c'est une découverte qui a été faite à plusieurs endroits dans le monde, au même moment, les gens ont enfin compris ce qui se passait. Alors vous allez me dire, mais pourquoi on comprend d'un seul coup un truc qu'on ne comprenait pas? Et en fait, en recherche, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qu'on appelle l'avancée des connaissances, l'évolution des connaissances, est étroitement reliée aux évolutions techniques et à la capacité d'aller chercher quelque chose. C'est comme pour aller voir une étoile qui est très très loin. Tant que vous n'avez pas le bon télescope, vous n'allez pas le trouver. Et donc en 2005, il y a eu des outils qui ont permis d'aller regarder JAK2 et qui ont montré, je ne rentre pas plus dans les détails, mais qu'il y avait des mutations de JAK2. Et puis un petit peu plus tard, 2006, 2013, on va trouver les autres mutations de MPL, de CALR, je ne vous parle pas de toutes. Et puis aujourd'hui, j'ai mis un petit dessin où j'ai pas mis de nom de gène en 2022. Mais en fait, en 2022, et déjà depuis maintenant quelques années, on a dans les laboratoires, un peu partout, hein, laboratoires de recherche ou autres, on a des séquenceurs, on séquence l'ADN des cellules, et on peut regarder des dizaines de gènes, voire même des centaines de gènes en même temps. Et effectivement, de temps en temps, on va trouver d'autres mutations dans les néoplasies myéloprolifératives. Et ça, c'est un grand champ d'investigation pour l'avenir. Aujourd'hui, je ne vais pas vous en dire beaucoup plus, sauf s'il y a des questions, parce que on a encore beaucoup de choses à comprendre. Les mutations principales sont bien les trois que j'ai citées et sur lesquelles je vais revenir avec leur place au moment du diagnostic. Alors, comment on fait le diagnostic finalement d'une néoplasie myéloproliférative? Chacun, sans doute d'entre vous, a son histoire, mais ce qui est assez fréquent, c'est effectivement une prise de sang sur laquelle on va compter les globules. Alors, cette prise de sang, en termes médicaux, ça s'appelle l'hémogramme, ou ça s'appelle la NFS, quand le médecin écrit sur l'ordonnance, c'est hémogramme ou NFS. La NFS, ça consiste au laboratoire, par exemple dans le laboratoire dont je m'occupe, mais c'est pareil en ville, hein, ça consiste à compter les globules, tous, globules blancs, plaquettes, tous les globules rouges. Ça consiste à sortir un certain nombre d'autres paramètres, comme l'hémoglobine, qui sont importants. Mais ça consiste aussi à observer les globules au microscope, si c'est nécessaire, et à pouvoir voir quelques anomalies, notamment, comme on peut en voir dans la myélofibrose, de temps en temps, ça aide au diagnostic. Ça, c'est vraiment un examen très important. Et quand on trouve des anomalies sur l'hémogramme qui font penser que peut-être il y a une néoplasie myéloproliférative, hein, c'est jamais sûr, ben, les examens qu'on va faire après sont des examens donc de biologie moléculaire qui là aussi se font dans des laboratoires. C'est un petit peu pas fait dans tous les labos, mais enfin tous les labos se débrouillent pour faire ces tests. Et en gros, ce qui est présenté sur cette diapositive, c'est que quand il y a trop de globules rouges, c'est-à-dire quand on pense que il y a une polyglobulie qui est suspectée, on va faire une recherche des mutations de JAK2. Il y a différents types de mutations, mais on va rechercher les mutations de JAK2. Et en gros, ça suffit, puisque je vous ai dit, pratiquement toutes les polyglobulies sont mutées pour JAK2.
Et puis, quand on suspecte plutôt, parce qu'il y a trop de plaquettes ou peut-être des signes un petit peu de fibrose, on suspecte une thrombocytémie essentielle ou une myélofibrose, ben, on va rechercher les trois gènes, soit tous ensemble, soit dans l'ordre qui est indiqué pour des raisons de fréquence. Mais en tout cas, on va rechercher des mutations de ces gènes, toujours dans les cellules du sang. Hein, on parle bien des cellules du sang. Voilà la fréquence dans laquelle on trouve ces mutations. Donc, comme je vous disais, hein, polyglobulie, pratiquement toutes, on peut retenir, sont mutées pour des mutations de JAK2, alors qu'on ne trouve pas de mutations de cadréticuline ou de MPL. Et dans les thrombocytémies essentielles et les myofibroses, vous voyez les fréquences, on va avoir un peu plus de la moitié en gros, des patients qui vont présenter dans leurs cellules hématologiques des mutations de JAK2, et puis à peu près un tiers pour les mutations de Calaire, et puis les mutations de MPL sont assez peu fréquentes, sauf dans la myofibrose. Dernier examen qui est très important, et je pense qu'on y reviendra aussi dans le traitement ou dans le troisième topo, la biopsie médulaire qui a dû être proposée à beaucoup d'entre vous. C'est important. La biopsie médulaire, en fait, c'est d'aller voir l'usine. C'est la seule façon, la biopsie médulaire, qui est un examen qui quelquefois est impressionnant, mais pour lequel il y a des tas de moyens d'accompagnement. Là aussi, on pourra en reparler s'il y a besoin. C'est un examen vraiment important, au moins une fois au début, pour comprendre comment est structurée la moelle osseuse et voir justement s'il y a de la fibrose, et si par hasard il y a de la fibrose, pouvoir la quantifier, la structurer. Et ça, c'est vraiment le seul examen. En fait, c'est vraiment la biopsie d'un petit morceau de l'usine à globules, et la prise de sang ne permet pas de voir ce que montre la biopsie médulaire. Je vais passer la parole à Jean-Jacques Kiladjian pour la partie clinique. Merci Valérie. Bonsoir à tout le monde et merci aussi de ma part de nous donner la parole et de pouvoir discuter avec vous ce soir. Donc je continue sur comment on fait le diagnostic de ces maladies. Donc Valérie vous a expliqué les prises de sang, la biopsie de moelle, mais quand est-ce qu'on commence ça? Souvent ces maladies sont découvertes un petit peu par hasard sur un fameux hémogramme ou une NFS faite pour autre chose ou à titre systématique. C'est encore le cas dans pratiquement 30 à 40% des cas. Sinon, c'est des examens, notamment cette fameuse hémogramme, fait devant des symptômes dont beaucoup, malheureusement, ne sont spécifiques de pas grand-chose et pas spécialement des NMP. Vous voyez, j'en ai listé un certain nombre ici, fatigue, maux de tête, des anomalies, des petits troubles visuels, des troubles auditifs, des vertiges, des petits signes comme ça, neurologiques bizarres, des saignements un peu anormaux, enfin ce qui doit alerter quand même, c'est parce que tout le monde de temps en temps a mal à la tête ou un petit vertige, mais des choses qui durent, qui sont inhabituelles et qui se reproduisent pendant plusieurs jours, bon, ça peut amener à faire ça. Et puis, il y a des petits signes un peu plus évocateurs, un peu plus spécifiques de ces maladies-là. Alors, un qui a un très joli nom, un peu barbare, l'érythromélalgie. L'érythromélalgie, c'est quoi? C'est une manifestation qui se produit au niveau des doigts, des mains ou des pieds, au niveau des extrémités, donc, où les doigts deviennent subitement tout rouge, avec une sensation de brûlure très intense, et puis ça disparaît comme c'est venu, notamment avec la prise d'aspirine. Donc c'est une manifestation très particulière, hein. C'est pas les petits fourmillements, c'est pas ça, c'est d'un coup il y a le feu au bout des doigts et hop, ça disparaît au bout de quelques minutes. Le deuxième, c'est ce qu'on appelle le prurit aquagénique ou le prurit à l'eau, dont vous parlera beaucoup plus le professeur Yanoto dans sa présentation tout à l'heure, qui est de la gratouille qui se déclenche au contact de l'eau chaude, la douche, le bain, etc. Et puis parfois aussi, notamment dans la myélofibrose, c'est parce qu'on a découvert à l'occasion de petits signes abdominaux ou digestifs une rate augmentée de volume. Et donc tous ces signes-là parfois conduisent à faire le diagnostic de ces maladies. Alors, en quoi elles sont dangereuses en fait? Pour deux choses. D'une part, parce qu'elles font des ennuis vasculaires. C'est des maladies chroniques, hein, la polyglobulie, la thrombocytémie essentielle, on n'est pas dans une leucémie aiguë, donc c'est une maladie qui va se développer sur des années et qui va se manifester comme un facteur de risque vasculaire essentiellement avec un risque de faire des caillots ou des hémorragies, notamment des caillots, ce qu'on appelle les thromboses. Et les facteurs qui sont associés à un risque plus élevé de faire ces fameux ennuis vasculaires, c'est l'âge, notamment avec plus ou moins de 60 ans, qui est une limite importante d'une manière dans la population générale déjà, hein, pour faire des risques d'infarctus, d'AVC, etc. Les patients qui ont déjà fait une complication vasculaire, qui ont déjà fait une thrombose dans leurs antécédents, ont aussi plus de risques d'en refaire un.
Et enfin, dans la thrombocytémie essentielle, les plaquettes, quand elles sont très, très élevées, quand on est plus de millionnaire, en gros, en plaquettes, plus d'1,5 million, ben, on bascule d'un risque de thrombose à un risque inverse qui est de saignement. Donc, voilà les trois facteurs principaux qui sont à risque d'augmenter ces risques de complications vasculaires qu'on voit dès le début du diagnostic et parfois, c'est une circonstance de découverte, c'est-à-dire à l'occasion d'un infarctus, on s'aperçoit qu'il y avait trop de plaquettes et on fait le diagnostic. Deuxième risque qui, lui, est beaucoup plus à long terme et qui est beaucoup moins fréquent, c'est le risque d'évolution hématologique. Comme le professeur Hugo vous a expliqué, c'est une maladie de l'organe qui produit le sang, de la moelle osseuse, et elle peut s'aggraver au fil du temps, au fil des années. Notamment, les NMP peuvent passer de l'une à l'autre. On peut commencer avec une thrombocytémie essentielle, puis au bout de quelques années, avoir les globules rouges qui commencent à augmenter, et en fait, on devient polyglobulique. Et on peut finir aussi avec myélofibrose au fil du temps. Et puis, évolution plus grave, mais heureusement plus rare, l'évolution vers des maladies du sang plus graves, comme ce qu'on appelle les syndromes myélodysplasiques ou des formes de leucémie aiguë. Donc, deux types de risques qu'on doit contrôler. Et donc, les questions qu'on se pose, c'est qu'est-ce qu'on doit traiter dans ces maladies-là ? Ben, soulager les symptômes autant que possible, évidemment. Parfois, c'est difficile et beaucoup d'entre vous, je pense, ont eu des expériences compliquées avec ça. Mais on doit aussi, à court terme, réduire tout de suite le risque vasculaire, parce que ce n'est pas laisser prendre le risque de faire un AVC ou un infarctus, mais tout en limitant aussi le risque de transformation dans 10, 15, 20 ans après le diagnostic. Pour ça, on a des objectifs qu'on va essayer de mesurer et de suivre, et on va vous embêter avec ça. Comme pour un diabète, par exemple, ben, on est obligé de faire la glycémie de temps en temps. Ben, dans les NMP, qu'est-ce qu'on fait ? On peut suivre l'évolution des symptômes à l'aide de questionnaires qui permettent de quantifier et de rendre un peu plus objectifs ces manifestations qui sont très subjectives. On va surtout suivre beaucoup l'hémogramme au fil du temps. On va vous en faire un tous les 15 jours au début des traitements, tous les mois, tous les deux mois, etc. Donc, vous allez être embêté à devoir faire cet examen régulièrement, malheureusement, parce qu'on n'a pas d'autre moyen de s'assurer que notre traitement est efficace et qu'on vous a mis dans une zone de sécurité. Et parfois, en cas de doute sur l'évolution, ben on peut refaire l'évolution des mutations dont vous a parlé le professeur Hugo. On peut les quantifier, voir si elles ont augmenté, si d'autres sont apparues. Ou on peut vous proposer de refaire la biopsie médulaire quand on pense qu'il y a une évolution vers la fibrose, par exemple. Donc, le traitement, premier volet, fondamental, limiter le risque de thrombose. Et pour ça, il y a des choses très simples, NMP ou pas NMP, mais d'autant plus important dans les NMP, c'est de traiter tous les facteurs de risque cardiovasculaire classiques, l'HTA, le diabète, le cholestérol, surtout arrêter de fumer, etc. Ça doit être fait de manière très importante parce que souvent, c'est l'accumulation de ces petits facteurs. Quelqu'un qui fume, qui a un petit peu d'hypertension, avec l'âge qui augmente et une thrombocytémie essentielle, patatras, ça fait le caillou. Ensuite, en dehors d'une allergie grave à l'aspirine, tous les patients théoriquement reçoivent un traitement anti-agrégant par aspirine à faible dose parce que ça a été montré comme très efficace pour réduire de manière très importante le risque de faire des thromboses dans les NMP, notamment dans la polyglobulie. Et puis pour la polyglobulie, il y a un autre objectif qui est de maintenir l'hématocrite à moins de 45%. L'hématocrite, c'est un des paramètres qu'on voit sur la numération, sur l'hémogramme. Ça peut se faire soit avec des saignées, traitement très moderne, soit des médicaments dont on va parler tout de suite. Donc ça, c'est les choses générales. Et puis après, on a des médicaments qu'on appelle cytoréducteurs qui vont permettre de faire diminuer ces chiffres qui sont en excès, comme vous l'a montré le professeur Hugo. Donc je vous ai mis ici la liste là des médicaments les plus utiles et les plus utilisés dans ces trois NMP. Vous voyez qu'il y en a un qu'on trouve partout, c'est l'hydroxyurée, c'est le plus ancien, le plus classique, le plus connu, on l'utilise depuis 40 ans, on connaît parfaitement sa toxicité, son efficacité, ça reste un traitement de référence. On a dans la polyglobulie de Vaquez maintenant un deuxième médicament qu'elle a même en première ligne, c'est l'interféron alpha. Et puis on a des médicaments de deuxième ligne, vous voyez, comme le ruxolitinib, le pipobromant dans la polyglobulie. Dans la thrombocytémie essentielle, il y a un petit médicament spécifique qui est l'anagrélide, qui lui a la particularité de ne faire baisser que le chiffre de plaquettes, alors que tous les autres, en général, font baisser un peu tous les trois fameux catégories de sang, les globules rouges, les globules blancs et les plaquettes.
Alors, ça, c'est les traitements classiques, mais en même temps, ben, il faut qu'on avance, il faut qu'on trouve des solutions parce qu'ils ne sont pas parfaits, ils ne contrôlent pas forcément tous les symptômes. On a besoin d'améliorer ces résultats. Donc, qu'est-ce que c'est que la recherche clinique? C'est ça qui va nous permettre d'avancer. Est-ce que je suis un cobaye? Je commence tout de suite par la troisième petite boule en bas, là, à gauche. Non, justement. Tout est fait pour que vous ne soyez pas un cobaye quand vous participez à un essai clinique. Et la différence fondamentale, ça repose sur ce qu'on appelle le consentement éclairé, c'est-à-dire qu'avant de participer à un essai clinique, il faut qu'on vous ait expliqué de manière claire, compréhensible, que vous ayez eu le temps d'y réfléchir, d'interroger des amis, des médecins, vos médecins traitants, etc., sur la raison de cette recherche et où on en est et pourquoi elle est faite. Elle est encadrée par la loi. Il y a des avis obligatoires d'instances indépendantes qui sont les comités de protection des personnes, les CPP, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, l'ANSM. Donc, tout ça est très encadré et ça fait l'actualité depuis 2 ans. Et vous allez voir, enfin, j'espère que quand on sort de la loi, on pose des risques à nos patients et on peut être puni pour ça. C'est la moindre des choses. Il y a 4 phases d'essai clinique, les phases 1, 2, 3 et 4. Je ne vais pas rentrer dans les détails, hein, mais disons que plus on avance dans les chiffres, plus les chiffres augmentent, plus on a de notions de sécurité, d'efficacité des médicaments. Et en général, à partir de la phase 3, si elle est positive, les médicaments passent sur le marché, obtiennent ce qu'on appelle l'AMM, l'autorisation de mise sur le marché, et continuent d'être surveillés dans des essais de phase 4, parfois, quand c'est des médicaments très récents ou des nouvelles classes thérapeutiques. Hein, l'agence peut demander à ce qu'un essai de surveillance de l'efficacité de la toxicité soit fait. Et puis tout ça aussi, pour refaire un peu le lien avec le professeur Hugo, parce qu'elle est très modeste, elle ne vous l'a pas dit, mais c'est quand même elle qui a été dans l'équipe qui a été à la source de la découverte de la mutation de JAK2 à l'époque. Ben, c'est parce qu'on a cette recherche fondamentale au laboratoire qui nous permet de comprendre les mécanismes. Une fois qu'on a découvert cette mutation de JAK2, ben, on a trouvé des médicaments anti-JAK2 activés. En gros, hein, et ça aboutit au développement du ruxolitinib, par exemple, et bien d'autres. Et ça permet de développer ce qu'on appelle des thérapies ciblées. Une fois qu'on a une cible, on essaye d'avoir un médicament qui va dessus, et ce qu'on appelle aussi la médecine de précision, c'est-à-dire qu'en fonction des différentes mutations que vont présenter les patients, on va pouvoir choisir tel ou tel médicament avec de bonnes chances de succès, et surtout limiter la toxicité des traitements qui tapent très large, comme la chimiothérapie, par exemple, ça n'a rien à voir. C'est des médicaments qui, eux, ont un effet plus ciblé, donc moins toxique. Alors, qu'est-ce qu'on a comme protocole actuellement en cours dans les NMP pour vous donner quelques nouvelles de la recherche dans les NMP? Bah, pour le traitement de l'anémie dans la myélofibrose, qui est souvent un problème chez nos patients, on a 2 nouveaux médicaments en cours d'essai. Mais qui vont corriger que l'anémie. Ils ne vont pas traiter la myélofibrose en elle-même, mais c'est déjà important. Si on peut rendre les gens indépendants des transfusions, c'est très bien. On a des essais qui essayent d'améliorer les résultats du ruxolitinib et des nouveaux traitements pour les patients chez qui le ruxolitinib ne fonctionne plus. Alors souvent, ça passe par des associations médicamenteuses. Donc beaucoup de recherches dans la myélofibrose parce que effectivement c'est la plus embêtante des trois, la plus symptomatique, la plus grave entre guillemets. Donc c'est là-dessus que se concentraient les efforts. Mais dans la PV et dans la TE, polyglobulie thrombocytémie essentielle, on a aussi un médicament en cours d'étude qui va essayer de remplacer les saignées. 2 médicaments sont en cours d'étude également dans la thrombocytémie essentielle avec des mécanismes d'action complètement nouveaux. Et puis dans les espoirs importants pour l'avenir, on a aussi des essais de vaccination qui vont démarrer, pour l'instant essentiellement ciblant les patients qui sont porteurs de mutations de la calréticuline parce que c'est une cible facile, entre guillemets, enfin facile, et plus simple, dirais-je, de vaccination. Et puis peut-être juste pour terminer, je repasse la parole au professeur Hugo pour qu'elle nous refasse le lien, en gros, sur toute cette recherche clinique, biologique et les patients. Oui, merci. Juste pour conclure sur la partie recherche, il y a cette recherche dans les essais cliniques dont on vient de vous parler. Mais il y a aussi quelque chose d'un petit peu nouveau, qui a juste quelques années maintenant, qui existe et qui sont ce qu'on appelle les biobanques ou les cohortes et maintenant les entrepôts de données de santé. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au-delà des protocoles, tout le monde n'a pas de vocation à être dans un protocole. Il y a des cas aussi où les maladies n'ont pas de protocole ouvert parce qu'il n'y a pas de
molécules à tester, il y a des creux. Et en fait, ce qu'on fait de plus en plus maintenant, c'est, je pense qu'un certain nombre d'entre vous ont été sollicités pour ça, c'est de vous proposer de conserver notamment, par exemple, les échantillons sanguins qu'on prélève dans le cadre du diagnostic, hein, que ce soit au début de la maladie ou que ce soit quand vous faites une prise de sang en allant voir l'hématologue. On peut vous proposer, dans l'hôpital, de conserver l'échantillon de façon complètement anonymisée, c'est-à-dire qu'on le sort en fait du côté, on anonymise le tube, hein, si vous voulez, avant de le mettre dans le congélateur et dans un fichier informatique, mais anonymisé. Et simplement, on garde que c'est, par exemple, un homme de 40 ans qui a une polyglobie de Vaquez, etc. Donc, on ne garde que des informations qui ne permettent pas de remonter à la personne, mais qui permettent, quand on en a besoin pour la recherche, qu'elle soit fondamentale, comme l'a expliqué le professeur Kiladjian, ou qu'elle soit plus clinique, de revenir vers des échantillons de patients qui sont stockés. Et puis, même chose pour les données, c'est-à-dire les données cliniques, on peut les stocker de façon complètement anonymisée, pareil, hein, femme, 55 ans, splénomégalie, oui, non, etc. On stocke de façon complètement, on enlève le nom, les identifiants. Et néanmoins, pour tous ces sujets qui sont extrêmement importants pour nous, hein, et c'est vrai dans tous les cancers d'ailleurs d'une manière générale, et dans toutes les maladies d'ailleurs au-delà de la cancérologie, les partenariats avec les associations de patients sont très importants parce que c'est par ces grandes bases de données, qu'elles soient biologiques ou cliniques, qu'on va aussi, au-delà des questions que nous, les docteurs, on imagine se poser, on va peut-être identifier de nouvelles questions. Et en fait, il faut comprendre que participer à la recherche ou à ces cohortes ou à ces biobanques, alors d'abord, ça n'est jamais obligatoire, hein, c'est pas du tout, on a le droit de dire « moi, je veux pas », même si on vous assure qu'il y a de l'anonymat, on a le droit de dire « moi, je ne veux pas ». Mais néanmoins, il faut comprendre que globalement, ça nous aide vraiment à travailler et à aller vers le bon soin en identifiant les bonnes questions sur lesquelles il faut qu'on travaille. Je pense que c'était la dernière diapositive pour conclure. Alors, moi, je me permets de prendre la parole parce que on a plusieurs fois eu une question qui revient. On a une question qui revient et qui a notamment été exprimée par Laurent, qui demande si vous pouvez expliquer les essais première, deuxième, troisième ligne. Ça, c'est une chose. Oui. Et ensuite, une autre question de Florence qui posait des questions quant aux douleurs osseuses et articulaires. Est-ce vraiment lié à la thrombocytémie ou est-ce autre chose? Voilà. Je vais répondre pour les traitements, en gros. Hein. Ce n'est pas que les essais, mais les traitements d'IN, c'est celui qu'on commence en premier. Vous avez vu, par exemple, dans la polyglobulie, est-ce qu'on commence par l'hydroxyurée, est-ce qu'on commence par l'interféron. On va choisir en fonction du profil du patient et après discussion avec lui d'un premier traitement qu'on appelle traitement de première ligne. Et puis, si au bout de quelques temps, il est trop toxique ou inefficace, on passe à un traitement de deuxième ligne et troisième ligne, etc. Voilà, donc plus on a de médicaments, plus on a de chances d'arriver en gros à traiter les patients longtemps et en cas d'échec ou d'intolérance, d'avoir des solutions de recours. Je laisse peut-être Jean-Christophe Yanotto répondre pour l'autre question. Merci. Ben, bonsoir à toutes et à tous. Alors, en lien avec potentiellement le topo symptômes et qualité de vie juste après, les douleurs osseuses font partie des manifestations cliniques que nous pouvons observer au cours des néoplasies myéloprolifératives. Alors, plus souvent, c'est vrai, exprimé par les patients avec myélofibrose plutôt que thrombocytémie essentielle. C'est un fait, mais tous les patients peuvent malheureusement les avoir. Si la question des douleurs articulaires est posée, alors c'est vrai qu'il y a moins de liens directs, connus en tout cas, entre ces maladies syndrome myéloprolifératif et les articulations aussi. Alors, parfois, les personnes peuvent avoir ces symptômes et qui peuvent être liés, mais on n'en connaît pas encore soit l'incidence, soit le mécanisme, soit malheureusement exprimer des symptômes cliniques qui proviennent d'autres problèmes de vie qui doivent être eux aussi explorés, pourquoi pas par un rhumatologue aussi. Merci beaucoup. Alors, on avait une question qui nous venait de Mélanie et qui nous demandait si les mutations, qu'elles soient JAK2, etc., étaient irréversibles ou pas. Alors là, c'est plutôt une question pour... Oui, je veux bien essayer de répondre. Enfin, en fait, ce n'est pas vraiment une question pour moi parce que c'est une question qui dépend des médicaments.
La mauvaise nouvelle, c'est globalement, oui, c'est plutôt irréversible, de façon en tout cas spontanée. C'est-à-dire que une fois que la maladie est là, spontanément, elle ne va pas disparaître. Et comme elle est liée au fait qu'une cellule, un jour, a acquis cette mutation, effectivement, elle ne va pas disparaître. Par contre, il est clair que les traitements, et c'est bien leur objet, peuvent, dans un certain nombre de cas, et notamment c'est le cas de l'interféron, mais là je ne suis pas la meilleure pour vous le raconter, parce que vous avez deux spécialistes ici, on peut voir au moins une disparition apparente de la mutation chez certaines personnes qui vont répondre particulièrement bien. Donc, je pense que soit Jean-Jacques Iladjian ou Jean-Christophe Yanotto pourront préciser s'il y a besoin, mais voilà, on est dans un cas où le traitement, on peut espérer, puis on espère que dans l'avenir, les traitements, comme dans d'autres maladies de type leucémie chronique, on pourra avoir des traitements qui font disparaître, mais ça ne disparaîtra pas tout seul. Merci. Oui, absolument, pour compléter, hein, c'est, vous avez vu, sur un plan pour le médecin clinicien, on a différents niveaux d'évaluer la réponse à nos traitements. D'abord, normaliser les chiffres sur l'hémogramme. Ensuite, regarder les mutations. Est-ce qu'elles sont toujours là? Est-ce qu'elles ont disparu? Ensuite, regarder la biopsie médulaire. Est-ce que les anomalies qu'a montré le professeur Hugo sur la photo ont disparu ou pas? Donc, c'est différents degrés de réponse dans lesquels, effectivement, les mutations aussi participent. Mais c'est vrai que jusqu'à récemment, on avait peu de médicaments capables de les faire régresser, diminuer ou en tout cas permettre aux cellules normales de reprendre le dessus. Parce que, en général, ce n'est pas toutes les cellules de la moelle osseuse qui ont la mutation. Hein. C'est une cellule qui a commencé, puis qui a proliféré, qui a pris de la place. Mais à côté, il y a quand même encore les cellules normales qui parfois n'arrivent plus à s'exprimer, etc. Donc, régresser la quantité de cellules avec la mutation, les cellules normales reprennent le dessus, en gros, et peuvent... Parfois, on n'est pas obligé d'éliminer complète mutation pour arriver à un très bon état et des guérisons apparentes, je dirais, de la maladie. Bien mal, la mutation est encore là, mais elle n'a plus de conséquences délétères. Très bien, merci beaucoup. Alors, on a beaucoup de questions sur le chat, sur la qualité de vie, ce qui est normal. Les autres questions ont été répondues, je pense, au travers de vos présentations. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on donne la parole au professeur Yanotto. Et puis, s'il y a encore des questions, on vous les dispatchera aux uns et aux autres. Eh bien, donc, rebonsoir à toutes et tous. J'ai... la possibilité de vous parler quelques instants des symptômes et de la qualité de vie que l'on peut observer ou malheureusement voir au cours de la prise en charge des néoplasies myéloprolifératives. Alors, de temps en temps, vous aurez peut-être ma langue qui va fourcher. Je parle tout autant de néoplasies myéloprolifératives que de syndrome myéloprolifératif. C'est la même chose, sachez-le, même si l'appellation est nouvelle, mais donc pardonnez-moi par avance. Donc, comme il vient de vous être dit, c'est... NMP, SMP sont donc des maladies hématologiques de la moelle osseuse. Elles sont chroniques. Et ça, c'est un fait important pour toutes celles et ceux qui en sont porteurs ou qui en seront porteurs sur la temporalité. Ces maladies sont souvent, mais pas toujours, associées à des symptômes qui vous ont été décrits. Signes d'hyperviscosité, maux de tête, troubles visuels, ces fameuses démangeaisons particulières, le prurit aquagénique, des douleurs ou un gonflement de la rate, la splénomégalie. Tous possibles, mais pas systématiques. Elles accompagnent malheureusement, du fait du temps, un risque plus élevé de complications et ces complications elles-mêmes entraînent une modification des symptômes et parfois ont leur propre impact sur la qualité de vie. Et à la fin, il vous a été bien évidemment parlé des traitements et malheureusement, certains d'entre eux ont leur propre effet indésirable qui peuvent jouer sur les symptômes quotidiens des patients et leur qualité de vie. C'est pour ça que parfois il y a des difficultés de communication entre les patients et les médecins. Les patients expriment un certain nombre de symptômes et parfois certains symptômes ne sont pas associés aux maladies hématologiques. À l'inverse, votre médecin hématologue peut vous poser des questions sur certains symptômes qu'il connaît et qui ne sont pas forcément ceux que vous exprimez. Ce qui fait qu'il est parfois surprenant d'avoir des patients peu ou pas symptomatiques et au contraire des courriers de médecins qui parlent de ces symptômes. Alors, afin de parler parfois des mêmes choses, nous pouvons utiliser des outils qui nous aident
à identifier, quantifier les symptômes que peuvent exprimer les patients. Je vous en présente un, mais il y en a plusieurs différents. Un questionnaire que le patient peut remplir à la consultation juste avant de voir leur médecin pour leur permettre de parler de certains symptômes plus spécifiques. Ainsi, sont évoquables la fatigue, la satiété précoce et le fait que l'estomac est vite rempli quand les patients mangent, et c'est un symptôme important pour nous allié à la splénomégalie, les troubles ou inconforts abdominaux, l'inactivité, qu'elle soit physique ou psychologique au général, les troubles de la concentration, les sueurs nocturnes, les démangeaisons au prurite, dont le prurite aquagénique, les douleurs osseuses dont la personne parlait tout à l'heure, fièvre, perte de poids et une évaluation de la qualité de vie. Ces questionnaires sont facilement disponibles et facilement distribués dans certains centres hospitaliers, non seulement pour dire si les symptômes sont présents ou pas. Vous voyez que dans l'image de droite, on peut quantifier les symptômes que vos patients peuvent présenter. Donc vous-même, patient, pouvez déclarer 0, aucun symptôme, 1, 2, 3, un peu, jusqu'à 10, le plus intolérable possible. Ce qui fait que le médecin qui va vous recevoir en consultation, pouvant utiliser ce questionnaire, sait ou connaît certains symptômes qui sont les vôtres et connaît aussi leur intensité. C'est important dès le diagnostic, mais aussi, comme il vient de vous être dit, de savoir si les traitements eux-mêmes sont en capacité de vous réduire vos symptômes ou parfois d'en induire aussi. Ainsi, si nous posons la question à des centaines, voire des milliers de patients, on se rend compte avec le même questionnaire que quasiment la moitié des patients expriment l'un de ces symptômes. Chacun des patients peut l'exprimer différemment, mais vous voyez que plus de 50% des patients interrogés expriment de la fatigue aux douleurs osseuses, avec une fréquence qui est ici tout à gauche, et une intensité moyenne qui est ici exprimée dans les cercles rouges. Et pour faire lien avec la demande de tout à l'heure sur les questions, oui, la fatigue fait partie des symptômes que l'on peut déclarer au cours des néoplasies myéloprolifératives, et vous voyez que c'est celle qui est la plus fréquemment décrite, quasi 90%, et dont l'intensité est souvent déclarée comme étant importante. Cette fatigue peut être générale, physique, psychologique, avoir aussi un impact sur la motivation au quotidien, et elle peut être aussi en lien ou une conséquence de troubles du sommeil. Mais comme je l'évoquais et comme tout à l'heure cela a été dit, il y a des différences de symptômes en fonction du type de néoplasie myéloproliférative dont vous êtes porteur, et il est plus souvent dit que les patients avec myélofibrose sont plus symptomatiques. Il y a des différences entre les patients de pathologies identiques, de patients de même âge et une expression de la maladie différente. Il y a une différence entre les sexes. Il semble que les femmes expriment plus les symptômes. Alors peut-être que les hommes ont moins tendance à s'épandre sur ce genre de choses et pensent qu'ils sont plus forts et donc n'ont aucun symptôme. Mais de nombreuses études démontrent ces différences, et il peut exister aussi une différence liée à l'âge en fonction de la tolérance de ce que nous avons déjà pu vivre dans notre vie. Nous n'exprimons pas la même intensité des symptômes. Bien évidemment, symptômes égale maladie, mais aussi symptômes égale but des traitements que nous proposons à nos patients. Et parmi les traitements que vous a évoqué le professeur Kiladjian, bon nombre d'entre eux sont efficaces sur la majorité des symptômes que vous pourriez exprimer. Pas toujours avec le même niveau d'efficacité, mais en tout cas la possibilité alors de passer à première, deuxième et troisième ligne en toute confiance du fait de l'efficacité sur les symptômes. Sur les symptômes, mais aussi bien évidemment sur les prises de sang des patients, qui est notre première façon d'évaluer la maladie, comme cela vous avait été évoqué. Mais bien évidemment, comme souligné précédemment, il y a malheureusement aussi un apport de symptômes nouveaux déclenchés par les médicaments que l'on appelle effet indésirable. En fonction des traitements que vous recevez ou que vous recevrez, ces symptômes, d'abord, ne sont pas tous présents, mais quand ils sont présents, ils sont parfois spécifiques du traitement que vous recevez. Et il est donc souvent important de discuter avant la mise en place du traitement des symptômes potentiels
que le médicament peut vous apporter, et au cours de la prise en charge, d'exprimer si oui ou non, entre deux consultations, des symptômes nouveaux sont apparus. Ils peuvent moduler alors la prise en charge par votre hématologue, de la dose ou des objectifs thérapeutiques aussi. Et si vous me dites symptômes, qualité de vie, la question est, on a des symptômes? Oui. Tout le monde, non. Mais tout le monde n'exprime pas le même niveau de symptômes et donc n'a pas le même impact au quotidien de ces symptômes ou de ces effets indésirables. Ainsi, la qualité de vie des patients n'est pas toujours autant impactée qu'on ne pourrait le penser. Des études ont quand même démontré qu'un nombre non négligeable de cas, près d'un quart des patients, voient un impact réel fort dans la vie familiale ou sociale. Mais plus encore, comme il est évoqué dans certaines questions du chat, oui, certains patients jeunes ont aussi ces maladies hématologiques et donc il peut y avoir chez certains un impact sur le travail, comme ici montré, comme la réduction du temps de travail du fait d'une fatigabilité, par exemple, plus fréquente. Donc, on parle de symptômes. Le premier d'entre eux, le plus souvent exprimé, c'est la fatigue. Eh bien, il y a quelques solutions, mais qui ne sont pas forcément des solutions miracles, mais qui sont des solutions de la vie saine, pratique de tous les jours. Il vaut mieux manger. Manger des choses saines, manger des repas qui sont équilibrés, manger doucement pour éviter que l'estomac ne se gonfle trop vite, manger des produits qui ont alors une qualité dans la vie en général, riche en vitamines ou en sels minéraux. Éviter alors ce qui est noté ici, l'alcool, les sodas et les graisses. Un autre élément qui est important aussi, c'est la consommation tabagique. C'est un des facteurs qui amène parfois à la découverte de ces pathologies sur des symptômes ou autres, mais il est noté, comme ici sur le schéma de gauche, que de ne pas fumer ou d'arrêter de fumer induit une réduction nette de nombreux symptômes exprimés par les patients. C'est donc aussi, pour la qualité de vie, un fait très important. La réduction du poids est aussi un objectif qui est souvent fixé par les professionnels comme ayant un impact positif sur la qualité de vie, mais surtout sur la fatigue. Moins de poids apporté, égale moins de consommation d'oxygène et donc potentiellement moins de fatigue. Et c'est pour cela que, dans le cadre de la fatigue, le sport est une recommandation qui est faite par beaucoup de professionnels. Le sport, sous différentes formes, je ne demande pas aux patients de faire des marathons ou des trials, c'est d'avoir une activité physique qui donnera une fatigue physique plutôt que psychologique ou autre au patient et qui fera que la fin de la journée se passera souvent mieux. Ici, sur le schéma de droite, des études ont démontré qu'une activité physique régulière était en capacité à diminuer l'intensité de la fatigue ressentie par les patients. Donc, en faisant du sport, il est possible d'améliorer la qualité de vie et de réduire, comme ici noté sur la colonne de gauche, l'intensité des symptômes exprimés. Bien évidemment, pour celles et ceux qui sont moins sportifs que les autres, il y a aussi les capacités de relaxation qu'induisent les massages. En termes de qualité de vie, c'est aussi extrêmement efficace. Et les groupes de parole sont aussi, par la libération et les questions telles que vous les voyez dans le chat ou autre, une possibilité pour réduire l'anxiété et le stress et donc la fatigue induite par ces pathologies en discutant et en voyant que parfois on n'est pas tout seul à être avec ces pathologies ou ces symptômes. La fatigue, c'est aussi l'anémie. Il vous a été présenté il y a un instant les risques en lien avec la myélofibrose. L'anémie est un facteur fondamental d'aggravation ou de provocation de l'anémie. Et votre médecin a un certain nombre de traitements à disposition qui permettent de réduire ou d'améliorer le niveau d'anémie et donc de fatigue. Je parlerai deux petits mots des démangeaisons. Alors, c'est un peu le dada de l'équipe de Brest, le prurite et le prurite aquagénique en particulier. Il y a beaucoup de traitements disponibles. Alors, ils n'ont pas toute l'efficacité que veulent les gens, c'est-à-dire ne plus avoir de symptômes, ce n'est pas forcément possible. Mais grâce aux traitements prescrits par votre spécialiste hématologique,
Les cytoréducteurs sont en capacité de diminuer la quantité de cellules circulantes et de très souvent réduire ces démangeaisons. Mais soit par le biais d'un dermatologue, soit votre médecin généraliste est en capacité de vous proposer d'autres traitements comme les anti-allergiques qui peuvent réduire aussi ces symptômes de démangeaison. Et plus spécifiquement, dans le cadre du prurit aquagénique, de nombreuses enquêtes ont été menées localement ou à travers la France qui mettent en avant, de façon assez simple parfois, que de ne pas se plaindre d'un prurit aquagénique, c'est parfois tout simplement de réduire le nombre de ces douches, bains ou contacts aqueux, parce qu'il n'y a pas que la douche ou le bain, il peut y avoir aussi la piscine, la sueur ou l'eau de mer. Parfois, c'est se doucher à l'eau chaude qui entraîne secondairement le prurit aquagénique, car je le rappelle, vous ne vous gratteriez pas pendant la douche, mais bien après la douche. Ce n'est pas une allergie à l'eau, mais c'est un phénomène inflammatoire ou en tout cas cytokinique qui provoque secondairement ces démangeaisons. Et donc, se doucher à froid ou avec une température plus basse réduit fortement les démangeaisons. Ne pas se frictionner après la douche entraîne aussi une amélioration des symptômes, tout comme parfois se sécher au sèche-cheveux. S'habiller rapidement ou avec des vêtements chauds sont aussi des modalités par lesquelles vous-même, patient, arrivez à réduire votre intensité de prurit aquagénique. Vous voyez ainsi qu'on connaît beaucoup de symptômes, on sait quelles sont les répercussions potentielles sur la qualité de vie, mais il est plutôt surprenant de savoir que beaucoup de ces études sont faites dans les pays américains ou anglais et qu'il existe très peu d'études sur la qualité de vie ou les symptômes en France. Et au nom du groupe FIM, je vous rappelle ou je vous invite bientôt à participer à l'enquête nationale en ligne qui aura pour objectif de décrire, non seulement à un point, mais longitudinalement, vos symptômes, votre état de fatigue ou la qualité de vie que vous avez par votre SMP, réaméliorée ou modifiée par les traitements, grâce à cette enquête en ligne qui va bientôt être disponible. Je vous enjoins donc à y participer, je le redis. Et pour terminer, symptômes, traitements, tabac, sport, ce sont des discussions à avoir avec le médecin référent que vous voyez dans le cadre de votre pathologie. Et dans les CHU, comme dans n'importe quel centre hospitalier, le service auquel vous appartenez peut vous proposer des soins de support, c'est-à-dire de rencontrer un professionnel, hors hématologue, qui vous parlera de certaines mises au point au quotidien qui pourraient améliorer votre prise en charge. Cela peut être les repas, je vous parlais tout à l'heure de l'alimentation saine avec le nutritionniste ou la diététicienne, ça peut être le sport avec des activités physiques adaptées pour lesquelles ça peut être important pour vous de savoir quels trucs on peut utiliser pour vous rendre en meilleur état général. Ça peut être l'assistante sociale qui peut vous aider à avoir accès à certaines démarches administratives, avoir accès à des aidants qui pourraient avoir alors pour vous une solution de facilité au quotidien. Ça peut être le psychologue qui peut vous aider à passer un cap psychologique tel que vous pourriez ressentir ces pathologies impactantes au quotidien. Ces soins de support sont disponibles, vous pouvez les demander à votre médecin référent et elles peuvent compléter la prise en charge que cet hématologue vous propose. Je vous remercie pour votre écoute, je crois que c'était la dernière. Merci mille fois, professeur Iannotto, pour tout cet aspect hyper pratique de la vie de tous les jours. Alors, on adore les massages, le sport, pourquoi pas, la douche froide, franchement, j'ai eu plusieurs retours sur mon téléphone, on vous la laisse très volontiers. Il y a des gens qui nous disent « ça me gratte partout ». Quoi faire pour les démangeaisons, professeur Iannotto, pour revenir sur la qualité de vie? Alors, la première des choses est souvent de pouvoir équilibrer la prise de sang par le traitement que vous est proposé par l'hématologue. Si vous êtes normalement en réponse hématologique, prise de sang normale, hémogramme normal, l'incidence ou l'intensité de vos démangeaisons devrait diminuer. S'il existe un lien entre votre hémopathie et vos démangeaisons. Il n'y a pas toujours que l'hémopathie, votre maladie du sang, de la moelle, qui est responsable de vos démangeaisons. Parfois, vos traitements peuvent aussi les induire,
Mais il y a aussi de nombreuses manifestations cutanées type eczéma, psoriasis, que l'on retrouve aussi souvent dans les cas de néoplasie myéloproliférative. Alors parfois, en se grattant, il est souvent nécessaire d'aller voir un dermatologue pour faire la part des choses, pour ne retenir qu'à la fin la responsabilité de votre maladie du sang. Et pour traiter, comme je l'évoquais tout à l'heure, beaucoup de traitements sont disponibles, alors pas souvent évidents, mais les antihistaminiques, les anti-allergiques, sont souvent très efficaces dans la gestion des démangeaisons. Merci. Alors, si je peux me permettre d'ajouter quelque chose ou de rebondir sur ce que vient de dire le professeur Yanoto sur un des points notamment, il a dit voir un dermatologue parce que ça peut être autre chose. C'est vraiment une règle dans ces maladies-là, comme dans d'autres maladies chroniques, c'est-à-dire que la tendance, quand il y a un nouveau symptôme ou un nouveau problème, c'est de dire « Ah, ben, c'est votre maladie du sang » ou à l'inverse, ou « C'est votre médicament pour la maladie du sang » et sans aller plus loin. Or, malheureusement, on peut avoir tout à fait autre chose et il ne faut surtout pas s'empêcher ou en tout cas ne pas avoir accès à des diagnostics d'autres maladies qui peuvent arriver là par hasard et qui n'ont rien à voir ni avec le NMP ni avec son traitement et ne pas être focalisé en permanence là-dessus. En tout cas, au niveau de vos médecins traitants, de rester objectif parce que ben, on peut attraper n'importe quelle maladie comme tout le monde aussi, malheureusement. Parfait, merci beaucoup. Donc, toujours poser la question à son médecin traitant, y compris pour les soins oncologiques de support dont le professeur Yanoto nous a parlé, qui sont, alors vous m'arrêtez hein, parce que c'est vous les experts et les sachants, mais qui sont tout un bouquet validé par l'INCa et qui viennent en complément, bien sûr, des traitements d'oncologie qui ne se substituent absolument pas et dans lequel on retrouve la sophrologie, l'activité physique adaptée et tout un tas de la nutrition. Et il y avait une question d'ailleurs sur les groupes de parole, pour faire le lien justement. Quelqu'un posait la question, où peut-on trouver des groupes de parole? Alors peut-être que Karine complétera. Moi, à mon niveau, je sais que la Ligue contre le cancer propose des groupes de parole, alors ça doit être tout cancer, pour les patients et pour les aidants aussi. Donc voilà, ça peut aider aussi les proches, les familles et les patients eux-mêmes. Donc, alors, pour les groupes de parole, nous, très franchement, notre association, c'est un bébé sur le marché, dans le monde médical. Et donc, on n'a pas de groupe de parole pour l'instant. On n'est pas expert là-dedans. C'est un vrai boulot. On ne veut pas faire d'erreur. On essaye de répondre autant que faire se peut à tous les mails qu'on reçoit. Quelquefois, c'est vrai que je mets une semaine à répondre, mais à côté de l'association, ben, j'ai un boulot quand même. J'ai certaines personnes au téléphone, mais moi, je peux juste leur parler de moi. Je ne peux pas leur donner de conseils. Ce n'est pas mon boulot. Ce n'est pas mon job. S'ils ont des questions, s'ils sont en pétard, si, voilà quoi. Parce que quelquefois, on peut être en colère. Moi, je le conçois complètement. Quelquefois, moi, je hurle et je râle, je peste. Et je dis, mais pourquoi moi d'abord? Voilà. Parce que aussi, il y a eu une question sur est-ce qu'on sait d'où ça vient? Pourquoi ce gène tout d'un coup, il s'est mis à disjoncter et notre moelle est devenue complètement folle dingue. Ça, il faudra peut-être que vous puissiez nous y répondre. Mais quant à la colère, au besoin de s'exprimer, il faut trouver un défouloir, je crois, pour chacun. Quand on n'a pas accès, moi, je vis dans un monde très rural. Donc, les groupes de parole, il n'y en a pas, à moins de faire peut-être 100 km, mais j'ai mieux à faire que ça. Mais on trouve toujours, voilà, on peut échanger. Au sein de l'association, on a quand même des adhérents qui se sont fédérés sur en ligne. On s'appelle quand il y a un coup de mou, il y a quelqu'un qui arrive derrière. Enfin, on se soutient. Et je pense que ça, c'est aussi intéressant parce que moi je dis je suis fatiguée, tout à l'heure j'ai dit à une adhérente, voilà, moi je suis sur les genoux, je suis archi cuite là en ce moment. Et ben, elle a compris. Je pense pas que quelqu'un qui... C'est horrible pour les médecins, hein. C'est pas très sympa ce que je vais dire, mais
les autres patients sont dans le mode vie ma vie. Ils savent ce dont je vais leur parler. Ils savent que quand je dis que je suis cuite ou que j'ai l'impression d'être une vache qui regarde passer les trains, parce que je suis en Normandie, c'est vraiment d'être une vache qui regarde passer les trains, quoi, complètement stupide. Quelqu'un qui n'a pas ça peut pas le comprendre. Voilà. Donc les groupes de parole, on peut pour l'instant, moi tout ce que je peux vous dire, c'est rejoignez l'association, quoi. Hein, et puis on essayera de faire au mieux, mais toujours avec cette optique de zéro conseils médicaux, pas d'échange non plus de conseils de tisane à la noix ou d'imposition de cailloux sur les doigts de pied pour vous faire passer les douleurs. Voilà. Nous, on est vraiment dans un rôle de lien et de facilitateur aussi d'accès à l'information et d'accès et de contact avec les médecins, quoi. Voilà, on a un conseil scientifique absolument génial. Et c'est vrai que quand on a une question récurrente de plusieurs adhérents, je leur pose la question et j'ai toujours une réponse. Voilà, donc merci à eux. Alors, peut-être pour compléter juste une info sur les soins de support, c'est pour ça que je levais le doigt, juste avant que vous ne parliez justement d'un certain nombre d'autres choses que nous pourrions avoir dans notre quotidien qui puissent nous aider. On entend ou on voit régulièrement des sollicitations pour dire si telle tisane, tel produit vendu en pharmacie ou autre est en capacité d'aider à la prise en charge au quotidien des symptômes. Toute utilisation même de plantes, phytothérapie, homéopathie, peut modifier le fonctionnement ou les symptômes que vous pourriez exprimer. Ainsi, il peut y avoir certaines prises quotidiennes, même simples de tisane, qui peuvent modifier la quantité du médicament prescrit par votre hématologue, à la baisse ou à la hausse, peut-être augmenter les symptômes ou réduire leur efficacité. Dans les cadres des soins de support, nous avons une concertation pharmaceutique où un pharmacien spécialisé à l'hôpital reçoit les patients et décrypte avec lui les traitements qu'il prend, les éventuelles interactions, mais aussi voit au quotidien ce que des simples petites choses, suppléments alimentaires, vitaminiques, peut éventuellement être une perturbation de la prise en charge et ouvrir les yeux un petit peu sur les choses du quotidien qui peuvent pas être anodines, mais qui peuvent impacter. Ainsi, je vous enjoins, si vous avez envie d'avoir de la naturopathie, de la gémopathie, de l'homéopathie, de la phytothérapie, à en discuter aussi avec votre hématologue pour savoir si cela peut être un plus ou gêner la prise en charge. Les pharmaciens spécialisés sont aussi disponibles. C'est un message important à faire passer. On ne peut pas prendre ou utiliser n'importe quoi aussi dans le cadre de ces symptômes pour améliorer sa vie quotidienne, sauf que parfois il y ait un impact. Merci. Merci beaucoup. Le message a été entendu. Donc, bien parler à son médecin référent et à son équipe soignante de toute prise ou de toute médecine alternative avant de la débuter. Karine, on va devoir clôturer malheureusement cette conférence. Je voulais revenir sur un point, on n'a pas pu prendre toutes les questions. Karine vous l'a expliqué, il ne s'agit pas de téléconsultation, auquel cas nous ne pourrions pas du tout faire ces conférences qui n'ont que pour objectif de vous informer, sensibiliser, éduquer. Donc on en est désolé. Mais c'est la règle. Je vais laisser Karine conclure et le replay donc sera d'ici une petite semaine en ligne sur les sites. Ben alors, avant tout, merci à tous les participants, ceux qui sont là derrière leurs écrans ou leur téléphone, enfin écran de téléphone, enfin je sais pas. Merci au professeur Kiladjian, au professeur Yanoto, au professeur Hugo. Vraiment, vous êtes super. Et quand je vous ai demandé de parler niveau petite section de maternelle pour que je comprenne, vous avez complètement entendu parce que même moi, j'ai compris.
Donc ça, c'est génial. Je remercie aussi les trois labos qui nous ont aidés à mener, qui nous aident à mener Septembre Rouge à bien, à savoir Novartis, BMS et AbbVie. Faut le faire, quoi. Ils sont là aussi. Merci aussi aux propriétaires du château de Cheverny qui ont été les premiers à nous suivre pour Septembre Rouge. Quand je leur ai demandé d'éclairer leur château en rouge, ils m'ont dit oui tout de suite. Et c'est de là qu'est venue l'idée ensuite de demander aux élus et aux maires donc d'éclairer en rouge. Et il y en a une vingtaine qui a répondu oui. Vous pouvez encore solliciter les maires de vos communes parce qu'on n'est que le 7 septembre. Donc, pour qu'ils éclairent en rouge, on a tout ce qu'il faut. Vous pouvez, si ce n'est pas encore le cas, adhérer à l'association. Et puis, on est déjà en train de préparer Septembre Rouge 2023. On a plein d'idées dans la tête et on va suivre les consignes du professeur Yanotto et commencer à faire du sport parce que on va faire un relais du nord au sud de la France pendant tout l'été pour arriver le 1er septembre au bord de la Méditerranée. Donc, entraînez-vous. On fera ça avec d'autres associations parce qu'on a depuis deux jours, là, d'autres associations qui nous contactent en nous disant « on veut être avec vous ». Ok, on l'a fait tout seul parce que Septembre Rouge, moi, j'osais pas. C'était un de mes délires, quoi. Mais j'en ai eu plein de délires dans ma carrière professionnelle, quelques fois qui ont été voués à l'échec. Mais là, je me suis dit « on peut pas entraîner, nous, toute nouvelle association, les gros costauds dans ce délire et on verra l'année prochaine. » Et puis finalement, ben, le délire se passe pas si mal puisque maintenant, c'est les gros costauds qui viennent nous voir. Donc, on va les accueillir à bras ouverts pour être encore plus forts l'année prochaine. Voilà, je laisse peut-être quand même le professeur Kiladjian, qui est le président d'honneur de l'association, conclure définitivement ce truc parce que je crois qu'on pourrait y passer la nuit tellement on est content d'entendre parler de nos espèces de moelle osseuse complètement folles dingues. Et puis, surtout, n'oubliez pas une chose, positivez, parce que la vie est tellement belle que ça ne vaut pas le coup de se laisser envahir par nos moelles osseuses. Voilà. Professeur Kiladjian, juste avant… Oh bah, je ne peux pas dire mieux après ça, hein. Ce n'est pas possible. Donc, au nom de mes collègues et camarades là, qui sont là, et puis de Valérie Saada qui se joindra également à vous pour la prochaine visioconférence, bah, merci, parce que nous, si on fait ça, c'est aussi parce qu'on aime nos patients. En gros, on a envie d'améliorer leur vie, d'améliorer leurs symptômes. Et interagir avec vous est toujours très enrichissant pour nous aussi, pour mieux comprendre votre ressenti et comment vous traitez. Donc, c'est une interaction. Hein, on y gagne autant que vous, j'espère. Et j'espère surtout qu'on a été assez clair, comme vous l'avez dit, pour qu'on puisse vous aider à mieux comprendre ces maladies. Puis, c'est qu'un début, effectivement, et on aura encore un long chemin à faire ensemble, j'espère. À très bientôt.